fuite était monumentale de puissance, autant le gaz susurre sa demi-tonne de poussée par moteur. C'est vraiment un avion, c'est presque un motoplaneur. Bon, quand même, ça pousse quand même, ça monte au ciel. Pour le pilote de Fuga qui désire en tirer l'essence, voire la quintessence, eh bien, on se lance dans un moment délicat, celui où il faut sortir la main de fée pour faire voler cet avion en le freinant le moins possible vers les trajectoires, où il faut utiliser l'énergie cinétique de la vitesse contre de l'altitude et gaspiller, enfin dépenser et brûler cette énergie cinétique, mais acquérir à l'inverse de l'énergie potentielle, donc de l'altitude, et puis après remettre l'avion en descente et réaccélérer. L'énergie potentielle pour acquérir de la cinétique et ainsi de suite. On fait le yo-yo avec les nuages et à condition d'avoir cette main de fée, eh bien, ça peut donner un moment d'aviation totalement parfait, ou du moins très proche de la perfection. Les aviateurs sont d'éternels insatisfaits qui essayent toujours de rechercher la trajectoire pure. Et bien cet avion-là, c'est le piano de concert, à réaction en tout cas, c'est sans doute l'un des pianos les plus adaptés à cette recherche. Les avions plus modernes, ils ont de la poussée, on peut toujours tricher. Avec ça, triche pas. To turbo mecha Marbore engines that came from the design genius of Joseph Sidlovsky. They can't exactly be described as powerful engines. They each deliver 1,000 pounds of thrust. The aircraft itself has a maximum takeoff weight of 7,500 pounds, so it's not overpowered. And it takes the skill of a fine, delicate pilot to extract the maximum out of this aircraft. At the beginning of the show, the clarified height, and the rest of the show is a question of balancing the potential energy of height with the kinetic energy of speed. And the whole game is to delicately and not wastefully use this energy. The dates back to the early 1950s. The first flight took place in 1952 at Mont de Marsan in the hands of Léon Bourriaud. A lot in French aviation seems to have happened in the shadows of the Pyrenees. There's something beneficial in the light down there. And the Poitiers Air Fugue Magister is no exception to this rule. The maximum operating speed of the aircraft is 390 knots. And as well as being used